Salut tout le monde, c'est Enrico, comment allez-vous? Moi j'ai très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus particulière que du vidéo gaming, disons. Juste pour faire vite fait avant, le vidéo gaming c'est super, mais je me suis trouvé une nouvelle passion que ça fait quand même assez longtemps que je la fais, mais que je l'ai cachée un petit peu plus longtemps. Je vais me déplacer un petit peu plus sur un des côtés et vous allez voir maintenant c'est quoi ma passion. C'est les cartes de Pokémon. Et là, justement. En bas ici, comme vous pouvez voir juste ici, j'ai ma caméra qui est pluguée juste là, voilà. Et ma caméra, en fait, elle sera là juste pour me filmer en train d'ouvrir les packs de Pokémon. Effectivement, oui! Bon, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, cette vidéo-là. Ça se peut que la caméra meure avant ou quoi que ce soit d'autre. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est les cartes japonaises de Moon, Sun and Moon. C'est juste ça que je peux vous dire. Sun and Moon Tag Team GX. C'est dans celle-là que tu peux trouver, je crois. Comment il s'appelle? Zapdos, Articuno et Moltres. Là-dedans, que tu peux les trouver ensemble, les trois ensemble. Donc voilà. Donc, est-ce que le code est correct? C'est ça la question, vous comprenez? Bon, je ne vais pas vous montrer mon ordinateur, sinon ça ne servait à rien. Mais bon, là, mon clavier est ici. Je vais probablement le déplacer juste ici, comme ça. Voilà, comme ça. Comme ça, vous voyez le pack ici, qui est quand même assez beau, qui est en japonais, by the way, je vais vous dire. Je ne sais pas lire le japonais, mais je suis en train de l'apprendre, ben, petit à petit. C'est pas un placement de produit, mais. Vous devriez prendre ces livres-là si vous voulez apprendre le japonais. For real, c'est très bon. C'est Minano Nihongo. C'est comme ça s'appelle. Vous pouvez voir juste ici. Voilà. Le nom, il est juste là. Prenez ça si vous voulez l'apprendre. C'est vraiment pour la prononciation et tout ce qui est la grammaire. Mais bon. Donc, nous allons faire cet opening. Je ne sais pas combien de cartes que je vais faire, mais peut-être que ce que je peux vous dire que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ce pack-là avec mon nouveau couteau que je me suis acheté seulement pour ouvrir des boîtes ou t'sais, d'avoir comme ça à la place de genre tout l'arracher. C'est plus satisfaisant avec un gros couteau. S'il est beau, of course qu'il est beau. Est-ce qu'il est trop gros? Oui! Il est trop gros, mais c'est le moins cher que j'ai pu pogner. Donc, voilà, écoutez, c'est juste ce que j'ai à dire. Donc, on va essayer d'ouvrir ça sans abîmer fuck all de la boîte, s'il vous plaît. Comme ça, voilà. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste comme ça. Voilà. On l'a ouvert. On va tout déchirer ça au complet avant. Voilà. C'est encore ça. Donc, je connais rien aux cartes de Pokémon. Tu sais, je peux vous dire. Je connais rien. Je peux pas savoir si c'est un PS. PS. Tu comment? PSC? PSC? Ou de quoi même? Je peux pas savoir c'est quoi, genre, comme. Moi, tant sur le temps que ça brille. Je suis content. Je suis content. Donc, on va ouvrir ça, ce petit pack de Pokémon-là. Je sais pas comment ouvrir ça, d'où. Hein? C'est la première fois que je pense ce genre de carte-là. Je l'ai pogné dans un. Dans un magasin, ben en ligne plutôt, parce que bon, on peut plus voyager. Hein. Je sais pas si vous connaissez quelque chose qui s'appelle le coronavirus, mais à cause de ça, on peut plus vraiment voyager malheureusement. Et Hachi, c'est une place au Japon, of course, qui vend à l'international. Donc ça s'appelle Plaza Japan, si je pense bien. Donc voici les cartes. Donc il y a 30 paquets, mais il y a seulement 5 cartes dans chaque. Donc, au total, il y a approximativement quoi? 150? Ouais, il y en a, je dirais exactement 150. Mais c'est tout aléatoire, ça de l'air. Donc, ça va me faire la première fois que je vais ouvrir les cartes japonaises. Juste avant que tout ça commence, je vais aller chercher mes sleeves. À cause que, bon, hein. Ouvrir les cartes de Pokémon sans sleeves, ça ne marche pas, disons. Donc, voilà. Je connais rien aux cartes de Pokémon, comme que je l'ai dit. Je me casse même pas la tête for real avec tout ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout le temps que ça brille, c'est correct. Comme, sincèrement, Pokémon, là, c'est vraiment quelque chose que je ne connais rien. OK? Mais vraiment, là, je connais à peine
qu'est-ce qui fait mal à quoi, vous comprenez? Mais c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Depuis mon enfance, j'écoute ça. Donc, ça m'a suivi pas mal. Et puis, les cartes de Pokémon maintenant, je pourrais pas vous dire les noms. Hein. Sont en japonais. Puis, je pourrais pas vous dire les noms en tant que tel des Pokémon. Donc, on va juste les swiper de même. Puis, tout va bien se passer, disons. Donc voilà, la première chose. J'espère qu'on voit bien. Juste un instant, je vais juste continuer à focus. Un focus un peu, hein? Bon, c'est comme ça, c'est correct. Donc si je suis très bien mes YouTubeurs choses, c'est par en haut qu'on doit les swiper. Donc on va y aller. Mediteka, ça je sais comment ils s'appellent ces cartes-là. On va mettre ça là. Lantern, ou de quoi de même, voilà. Oh! Raichu et Raichu d'Alola! Bon. Je sais pas si c'est rare, quoi que ce soit. Mais elle est très belle. C'est. Raichu normal et Raichu d'Alola. GX. Je pense que ça, comme ça s'appelle. Une Half Heart ou une Full Heart? Ça, c'est une Full Heart. Mais c'est pas une secret heart. Heart. Une art secrète. C'est comme ça qu'on pourrait peut-être appeler ça. Une art secrète. On va sortir nos sleeves. Hein? Voilà. Et puis on va le mettre là-dedans. On va faire ça au sens de pas. De pas l'abîmer. Voilà. Hein. Très beau. Actu, oui, elle est vraiment belle. Première fois que j'ouvre ces cartes de Pokémon-là. Et une petite anecdote avant qu'on continue. Mais non, on peut faire en même temps qu'on continue. Mais petite anecdote. J'ai commandé en ligne à un moment donné une boîte de Elite Trainer Box de Champion's Path. Qui est la voix du maître. Non, la voix du champion ou quoi de même. Peu importe. Oh. C'est toi qui viens de faire ça ou c'était déjà le même? En tout cas, c'est pas grave. Champion's Path. Qui était tout simplement, ben, vous savez ce qu'est Champions Path, avec le Charizard Shiny et le Charizard Rainbow, en gros. Et puis, première fois que je commande ça en ligne, Amazon, tout ça. Puis, et finalement, moi, je regarde les comments après, et puis, alors, ils disent, oh, attention, c'est du scam, tu sais, tout ça, blablabla. En fait, moi, il était super bien scellé, tout ça. Et puis, en même temps, j'ai reçu mon Charizard Shiny. Ma première boîte. Malheureusement, j'ai pas fait de vidéo dessus. Lucario. À cause justement de. Je pensais justement que c'était une. Comment ça s'appelle? Une. Fuck, hein? Une boîte qui était vraiment ouverte puis recelée. Donc, je voulais pas faire ça. Tu sais, ça aurait été comme. Non, tu sais. Je regrette déjà là, for real. Mais elle est très belle, la carte. Elle est très belle, mais j'étais tellement content, my God. Hey. Puis après ça, il y a mon collègue qui s'avait réveillé, que lui, il est très bon en Pokémon, il s'y connaît beaucoup. Et puis, je lui ai dit, est-ce que c'est une fausse carte? Puis, il m'a dit, de quoi tu parles, pourquoi ça serait une fausse carte? Puis là, j'ai dit, ben, je sais pas pourquoi que ça serait une fausse carte, tout ça. Puis. Tu sais, parce que vu que c'est sur Amazon, puis il y a beaucoup de personnes qui disent que c'était déjà recelé, tout ça. Et il m'a dit, ben écoute, si tu veux savoir c'est quoi, si c'est une fausse carte, déchire-la. Je connais peut-être pas une carte de Pokémon, mais à ce point-là, là, je l'ai pas faite, of course. Hein. Mais bon, on doit bien se dire, Mais bon, que ça soit déjà tout recelé, tout ça, j'ai déchiré des cartes qui venaient avec ce paquet-là, of course. Mais. Justement, les cartes étaient pas fausses, c'était des vraies cartes. Donc, je me dis que cela devrait être une vraie carte pas mal. Je vais même te regarder des tutos en ligne pour savoir comment savoir si c'est des fausses cartes, tout ça, sans les déchirer, actually. Sans les déchirer. Donc, on y va. Donc, l'évolution de Haxorus, ou le contraire, la pré-évolution de Haxorus. Garchomp? Non, c'est pas Garchomp, ça? Ah, je sais pas, ben, c'est ça, là. Encore lui. Ok. Ça, c'est Zygarde, mais en version chien. Je suis quand même content. Bon, je crie pas à cause qu'elle brille pas, mais. Je suis quand même content. Un Pokémon légendaire, c'est un Pokémon légendaire. On va mettre ça dans une sleeve, of course. Un Pokémon légendaire, c'est un Pokémon légendaire. Puis, anyway. Même si ça serait pas un Pokémon légendaire, je l'aime la carte.
Ah oui, ça, j'ai pas dit ça. Je connais peut-être pas les cartes de Pokémon. Mais ce que je peux vous dire, ce que je fais habituellement, c'est que tant souvent que j'aime la carte, je vais être content. Oh oui, ça, je peux vous le garantir. Là, je l'aime à cause de Zygarde version chien. J'adore les chiens. Ben, ça tombe bien qu'on sait jamais. J'aime bien les chiens. Fait que ça va. Zygarde une version chien, ben, je vais la sceller. Ouais, on peut peut-être dire sceller. Non, mais non, on peut pas dire sceller, on peut la protéger. Tiens, voilà, on va la protéger. Même si c'est pas une carte extrêmement rare, je pense bel et bien que c'est une carte rare. Parce que habituellement, juste ici. Attendez, je vais juste résumer, voilà. Oh, what the fuck is going on there? Juste ici, dans les cartes non japonaises, il est censé avoir une petite étoile, si je me trompe pas, pour dire justement qu'elle est rare. Mais là, c'est différent vu que c'est une carte japonaise. Legit, je m'attendais pas que les cartes japonaises soient aussi différentes que les cartes américaines ou françaises, peu importe, là. Mais regardez, c'est tellement différent. Moi, j'aime beaucoup plus celle-là que les normales, ceux américaines. Donc, on a l'autre aussi, le Garchomp, I guess. Oh, lui, c'est Tandurus. Landurus ou Tornadus? Je pense que c'est Tornadus, actually. En tout cas, Tornadus. Tandurus, lui. Oh! C'est Garchomp. Lui, c'est Garchomp. Lui, c'est Garchomp. Lui, je le sais. Lui, c'est Garchomp qui est en. C'est quoi? C'est holo, mais habituellement, holo, c'est juste l'intérieur ici. Bon, ma caméra s'est éteinte tout seul. Je sais pas pourquoi. C'est la nouvelle, la caméra. Mais bon, Garchomp, comme ça, habituellement, c'est les holos sont toutes ici. Elles sont censées d'être toutes comme ça, mais pas les côtés. Fait que c'est quoi? C'est une holo rare? I guess, je sais pas. Je sais pas, mais elle est très belle. Puis l'autre, c'était un petit oiseau nowhere. Malheureusement, il n'y a pas de code. Mais bon, même s'il y aurait des codes, je pense que je pourrais pas vous les donner justement à cause qu'elles sont en japonais. Mais pour ceux qui lisent le japonais, ben, s'il y en aurait eu, je vous l'aurais donné. Mais bon. On va juste mettre ça dans une sleeve. Ben, tranquille. Parce qu'elle est vraiment belle, for real. Elle est vraiment belle. Mais bon, comme que j'allais dire, comme j'allais continuer à dire, c'est que les cartes de Pokémon, je connais pas ça vraiment. Tu sais, comme, sincèrement, je regarde ça, parce que je trouve ça intéressant pour voir qu'est-ce que les gens vont pouvoir pogner. Puis à cause de ça, ben, je suis devenu addict. C'est comme un jeu, c'est comme du gambling. Bon, hein, au casino, là, vous allez là, vous gagnez une fois, là. Vous voulez y retourner vu que vous avez déjà gagné une fois? Ben ça marche pas comme ça. C'est totalement de la chance, disons. Ben je pense, ça suit. Je dis peut-être n'importe quoi. Ben ça, c'est ce que je pense, puis ce qui est probablement vrai. C'est la même chose avec les cartes de Pokémon. Vous payez quelque chose de bon, genre, tu sais. Justement, ici, j'ai payé ma carte Charizard Shiny, qui est juste là. J'en veux plus! J'en veux plus! Fait que là, by the way, aussi. Je me suis commandé d'autres boîtes qui s'en viennent mois de mars. J'ai précommandé des boîtes. Et puis en fait, les cartes que je me suis précommandées, c'est trois Elite Trainer Box. Je sais pas c'est quel, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que il va y avoir une série sur ces cartes-là. Après ça, on va m'en commander d'autres, mais bon, en tout cas. Landorus, Tornadus, en tout cas. Pikachu, Cubone. Oh! Raichu Dalula, Allfort. Non, Secret. Allfort. Holo Rare, je pense. N'oubliez pas, je pense. À cause qu'il y a pas rien ici. Donc, c'est ça que je pense, vu que, justement, les Reverse Holo, comme on pourrait peut-être dire, c'est vraiment les cartes qui sont en arrière. La description des attaques. Puis les holos normales, c'est seulement ici.
Mais peut-être parce que vu que c'est les cartes japonaises, sont peut-être différentes, je sais pas. Ou peut-être c'est juste les packs en tant que tels, tu sais, les packs tag team GX de Sun and Moon, c'est peut-être ça, tu sais, je sais pas, sincèrement, je sais pas, mais c'est des très belles cartes. Cartes japonaises en plus, moi je suis tellement content. Moi qui voulais apprendre le japonais en plus, hey, voyons-nous. Donc, on va ouvrir ça. Bon, c'est un dommage que ce soit 5 cartes par paquet. Mais il y a quand même 30, 30 packs dedans. Ce qui n'est pas à négliger. Hein? Donc, Drift Bloom, je pense, c'est ça son nom. Ou à moins, c'est son évolution, en tout cas. Axorus, c'est tout le temps les mêmes cartes qu'on a. C'est tout le temps, hein? Est-ce que vous l'avez. Oh! Rotom, qui est en Holo Rare. Je crois encore que c'est Holo Rare. Je vais pas arrêter de le dire, peu importe. Et puis l'autre, c'est ça. Je sais pas c'est quoi. C'est un trainer anyway. C'est pas bon. je vais mettre ça, vu que tu brilles. Comme que je dis, je vais tout mettre dans les sleeves. Tout ce qui brille, je le mets dans les sleeves. Puis je suis quand même content d'avoir ces cartes-là. C'est peut-être pas des bonnes cartes ou je sais pas, mais ça brille. C'est ça que je peux vous dire. Ça brille. Donc, oui, aussi. Attendez. On va tester quelque chose. C'est une vraie carte. OK. Le trainer. Même si, bon, hein, ça aurait pu se faire ajouter à ma collection. Mais bon, écoutez, je ne sais pas si les cartes japonaises ou les cartes américaines sont différentes, sont faites différemment. Comme je veux dire, par leur solidité et tout ça. À cause que justement, tu sais, vu que littéralement l'entièreté de la carte est différente. L'arrière, le tout de la carte est différent. En tout cas, si c'est le cas, peut-être que c'est juste à cause qu'ils sont un petit peu plus minces. Genre, je sais pas, mais bon, je vais être quand même content. Anyway. Anyway, je veux pas les revendre, fait que. Ok, non. Ça, c'est Meloetta, je pense. Meloetta, que je me calisse de ce petit personnage. J'espère que vous voyez bien, actually. Bon, en tout cas, ça n'est pas grave. J'espère juste pas que ma caméra va encore se fermer. Et au pire des pires, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, après peut-être 15 packs, parce qu'il y en a 35, il y en a 30. Je vais peut-être arrêter pour faire une deuxième vidéo pour avoir plus de contenu sur ma chaîne. Mais, peut-être pas aussi, vu que c'est seulement 5K, ça va passer vite quand même. Puis j'ai quand même l'impression d'être quasiment rendu à 15. Donc, En tout cas, cette chouin-là, Magmar. Oh! Et cette chouin-là aussi. Mais bon, ça, oh, what the fuck? Garchomp et Giratina GX en Secret Heart. Non, mais non, c'est pas Secret Heart, c'est Full Heart. C'est Full Heart. Mais ouais, yo, what the fuck? Elle est fucking belle. Wow, hey, non, for real. Twill. Twill. Oh. Twill. Twill. Twill va te faire une. Oh shit. Je vais te faire une petite place dans mon cœur. Voilà. Oui, that's it, that's all. Giratina et Garchomp GX, c'est ajouté à la collection. Sincèrement, je suis vraiment content. Ah, peut-être pas que je réagis, hein, peut-être que je réagis pas comme ça. Je réagis seulement comme ça quand je gagne des millions. Mais pas sur les cartes de Pokémon. Des cartes de Pokémon, oui, c'est le fun. C'était ça. Parce que tu veux toujours savoir qu'est-ce que tu veux pogner. Mais, quand même, c'est quand même un petit peu le fun. Un petit peu le fun, tu sais. J'aime bien ça, sincèrement. J'adore ça, ouvrir les cartes de Pokémon. C'est juste que l'excitation d'ouvrir et d'avoir quelque chose de bon, je suis pas vraiment là-dedans, disons. Je vais vraiment être plus dans l'excitation sur un jeu vidéo que sur des cartes d'ouverture. Mais j'aime ça. J'aime quand même ça. Puis j'aime quand même ça, tu me vantais que j'avais pogné ces genres de cartes-là, tu sais.
Tout le monde le ferait, tu sais. Regardez, j'ai payé un Charizard Shiny. Yes, sir. Bon, ok. Pilove. Toi. Méditeca encore. On pointe tout le temps les mêmes, hein? On pointe tout le temps les mêmes cartes. C'est probablement pour ça que c'est 5 cartes, hein? Mais comme que j'ai dit, ça vient du Japon. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont les Japonais, tu sais. Peut-être que les Japonais, ils disent, ah, écoute, ben, les cartes japonaises, on va pas t'en donner beaucoup, puis on va donner tout le temps les mêmes cartes. That's it. Mais oui, mais écoute, c'est triste. Ah, oh, j'ai vu une carte qui brille. Oh, oh, oh. OK. Donc, on va juste remonter ça un petit peu. Voilà. All right. Donc, on a ici Munchlax. Ça. Stunfisk. Oh, Garchomp. Holorare. Mon gars. Non, c'est Axorus. Excusez-moi, my God. Mon niveau en Pokémon. Non, non, sincèrement. Oh. En ça, on a payé justement Garchomp en Holorare. Bon, peut-être que finalement, 5 cartes, c'est correct, non? Peut-être que finalement, oui. OK. Je sais vraiment pas combien de packs il nous reste. Ici, il nous en reste 6. 7. Il nous en reste 7 cartes, 7 packs ici, puis je suis pas encore ouvert. Fait que, guess que, il en reste 15 là-dedans, puis il en reste 7. Peut-être encore là, mais... Peut-être que oui, peut-être que non, écoutez. Je suis qui, moi, pour juger, hein? Mais je pense que là, vu qu'on n'arrête pas d'avoir les Holorare en avant-dernier, je pense que je vais juste faire ça. Donc, ici, on a un beau petit Latias. Latias, ça, c'est Latias, oui. Quand même, il est beau, il est beau. Lui. Et lui. Yes, sir. Pas grand chose à part la Tias encore là, mais. Tant que ça ne brille pas, puis c'est pas un Pokémon que j'aime, je le mets pas dans son petite affaire. Dans sa sleeve, disons. Commentez dans la vidéo pour voir justement. J'aime ça que vous me donniez des petits conseils justement pour ouvrir des cartes de Pokémon. Et puis, tu sais, toutes ces affaires-là. En même temps, dites-moi si vous aimez ça, ce concept-là. Donc, il y a lui. Il y a Riolu. Lui. Oh, c'est quoi ça? C'est... Appa? Non, attends. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce que c'est. Ben, c'est ça. L'affaire avec les cerceaux qui peuvent se téléporter là, dans... C'est quoi encore son nest? Non. En Holorare, bon, je l'aimais, c'est pas incroyable non plus, c'est pas une commande que j'aime, mais il est vraiment beau, es-tu? Je vais me rappeler de son nom, puis je vais le dire à un moment donné, je vous le jure. Je vais le dire, je vais réussir à le dire plutôt. À cause que finalement, c'est quoi son esti? Non, à part, ça ressemble à ça, là. Je suis sûr que ça ressemble à ça. Bon, en tout cas, mon niveau en Pokémon, il est pas élevé, donc il est probablement comme à. 7 sur 20? Ah, sincèrement, je suis vraiment pas bon en carte de Pokémon. Fait que. Pas seulement en carte de Pokémon, aussi en carte. Ou sans jeu, Pokémon de cours. Mais Pokémon, je les connais pas beaucoup, disons. Donc, lui, Pikachu, et puis un trainer. That's it, that's all. Bon. Je ne sais pas on est rendu à combien, mais peut-être qu'est-ce qu'on sait, c'est. Un Raichu puis un Raichu en GX. Puis on a eu aussi un Garchomp. Je pense que j'ai fait une erreur. Mais voilà, on l'a finalement eu encore une autre fois le trainer. Donc il y a ça. Puis, oh! C'est quoi son nom à lui? Je m'en souviens plus. Non, je m'en souviens vraiment plus. Je ne sais pas par exprès, for real. Hein? Je sais vraiment pas. Ben oui, je le sais, mais là, je m'en souviens plus. C'est un Pokémon. Je pense que c'est le Pokémon à Giovanni. C'est un des Pokémon à Giovanni. Mais bon, c'est quoi son nom? Fuck, je m'en souviens plus, mais bon, en tout cas. Ce que je sais, c'est qu'il est très beau.
Les cartes japonaises, je les trouve plus belles que les cartes normales, for real. Puis là, pourquoi ça veut pas s'ouvrir? On va acheter ça. Fuck it. On va acheter ça là, vu que j'ai tout scrappé. Là. Quand j'étais un petit peu spécial, que je l'ai un petit peu scrappé. Voilà. Lui aussi, je vais peut-être me rappeler de son nom, peut-être. Je sais que ça. Ça ressemble pas à. Je pense que ça commence par un G. Puis ça finit par un An, je pense. Kargashken. De quoi de même, je sais. Kargashken. Ouais. Pas mal sûr. Ouais. Pas mal sûr, c'est de quoi comme ça aussi. Mais l'autre, Apache, c'est juste ça que je peux. C'est juste ça que je peux. Opa! Voilà. Voilà. Of course. Ok. Lucario avec Giratina et Garchomp en arrière. Lui. Pidove. Je pense bien que c'est ça. Hein? Ça. Et puis encore un Latias. My God! Ça veut vraiment pas nous lâcher, hein, ces affaires-là. Ah, c'est ça, hein? Commentez dans les commentaires. Si vous voulez avoir. Principalement, peut-être un petit peu plus de cartes comme ça, de cartes de vidéo comme ça, avec des cartes justement. Dites-moi dans les commentaires, ça prend beaucoup de l'argent. Hein, tu sais, c'est quand même des cartes que tu achètes, mais les cartes coûtent quand même assez cher, disons. Hein. Eux autres, je pense que seulement pour 30 paquets de 5, ça veut dire 150 cartes. Je pense que ça me coûtait approximativement 170. Pas de yens, 170$. Donc, c'est quand même assez cher. Moi, je trouve que c'est même un petit peu trop. Hein, chi? Ah, voilà. C'était pas assez focus. Oh! J'ai vu une belle carte. Oh, j'ai vu une belle carte. J'ai vu une belle carte, mais c'était pas une belle carte pour moi. Ah oui, elle est belle. Elle brille. Bon, of course, je vais la sleeve. Mais. Je m'attendais à genre un tag team aussi, là, mais non. Mais non, j'ai eu ça. C'est... Mais je suis quand même content, for real. Ok, of course que j'ai pas capoté, à cause que... Comme je l'ai dit, mon excitation est à 5. Est à 5 sur 10. Non, mais non. Ah oui, ouais. 5 sur 10, c'est assez bon à expliquer, for real. Est à 5 sur 10. Pourquoi? À cause que... Quand je suis pas une des bonnes cartes, je suis surpris, je suis content. Mais je n'écris pas, puis je ne me lève pas. À moins si, sincèrement, je trouve la carte que j'aimerais bien avoir... Zapdos, Moltres, puis Articuno. Celle-là, oh, sacrement, j'aimerais celle-là avoir. For real, j'aimerais celle-là avoir. Alright. J'espère que j'ai pas plié une bonne carte. Je l'ai un petit peu plié. Ok. Magmatar. Axew. Ça. Munchlax. Et Calvary, je crois son nom. De quoi comme ça qui ressemble un petit peu. Qui ressemble un petit peu à ce nom-là, disons. Ça va être la première fois, actually, que vous allez voir mon nouveau décor qui va rester probablement pendant très longtemps, ce décor-là. Parce que j'ai pas l'argent pour m'acheter un autre décor. Mais, ce que je veux dire, c'est que je voulais pas vous le montrer tout de suite, mais avec un. Un fond vert, des affaires de même, ça c'est pas très intéressant. T'sais. Donc, bon, bien mieux que vous voyez mon écran que vous voyez seulement un fond vert qui va même pas être allumé anyway. Bon, ok. Riolu, cette affaire-là, je pense Speed of. Ça, Covery, what the fuck. Déjà, je vous jure, je suis pas habitué à ouvrir 5 cartes de Pokémon. Sincèrement, je suis vraiment pas habitué d'ouvrir 5 cartes de Pokémon. Je sais même pas si c'est normal. Ouais, je sais même pas si c'est normal, sincèrement. Mais bon, écoutez. Je sais pas si. Non, pour vrai, je sais vraiment pas si c'est normal qu'il y ait 5 cartes de Pokémon. Peut-être que oui. Peut-être que ça le vendait seulement 5 cartes de Pokémon, cette édition-là, Giratina puis Garchomp. Mais bon, ouais, j'ai spoilé une carte, mais bon, c'est un Pikachu. Donc, Lucario encore. Pikachu. Axorus. Ça. Ouh! Ça, c'est un. Chandelure, qui est en holo rare. Yes, sir.
Voilà. Wow. OK. Quand même content, for real. Quand même très content. Quand même très content. Très content. Très content. Mais aussi, bientôt le 12. Bientôt le 12. Je ne sais pas c'est quand elle va sortir cette vidéo-là. Je ne sais même pas quand elle va être montée, anyway. C'est moi qui fais mes montages. Puis, gérer deux caméras, ça va être nouveau pour moi. So, il va falloir que je fasse de mon possible pour le faire. Ça sera probablement pas aujourd'hui, la même journée. Mais le 12, peut-être que vous écoutez ça après le 12. Mais le 12 février, il va y avoir le nouveau jeu de Mario 3D World qui va sortir. Mario 3D World Bowser's Fury, je pense. Et je vais définitivement faire une vidéo dessus. Je vais définitivement faire une vidéo sur ce jeu-là. OK? Et puis, justement, en faisant une vidéo sur ce jeu-là, il va y avoir un let's play. Ah, by the way, il va y avoir un let's play. C'est le jeu de Mario, je pense que c'est les seuls jeux que j'aimerais ça. Que j'aime le plus faire les let's play. Surtout avec l'affaire qui vient de commencer. Mon apprentissage au speedrun. Que j'aime beaucoup faire, for real. Mais qui est très difficile. Puis ma patience est pas très très bonne, actually. Elle est pas très très bonne. Oh, j'ai vu une carte. J'ai vu une belle carte. OK. Encore eux autres. Ça. Cuban. Encore Opa! Opa, là, j'allais bien. Moi, c'est Apo, mais je pense que c'est Opa, actually. Je pense que c'est Opa. Je vais quand même le sleeve. Oh, attends. Non. Je vais le laisser là, puis je vais le sleeve avec l'autre après la vidéo. Voilà. Voilà. Il reste pas beaucoup de cartes, for real. Il reste pas beaucoup de cartes. Ma caméra va bientôt crever. Bah oui, c'est comme ça. Écoute. C'est comme ça. J'ai carrément oublié de la mettre. Au moins, il y avait de la place dans ma carte SD. Ça, on peut vous dire ça, parce que, anyway, même si ma caméra a mort, j'ai encore cette caméra-là. Et au moins, mes enregistrements vont pouvoir être sauvegardés. Alright, bon. Pour moi, une des dernières que je vais faire. Il y a cette affaire-là. Pikachu. Ça. Ça. Et ça. C'est probablement comme. À partir des 10 derniers qu'on a faites, c'était probablement sur deux cartes qu'il y avait. Sur deux packs, il y avait une carte de Bonada. Probablement. Probablement de quoi comme ça. Donc, je suis quand même content, Flo, d'avoir payé les cartes que j'ai. Je suis quand même content. Bon, j'ai peut-être pas encore eu ma carte, ma bonne carte que je voulais, mais bon. J'ai ça, je sais pas c'est qui, mais bon. Encore lui, Axio. Meditate. Longtemps, j'avais pas vu. Oh! À une autre variante que ceux qu'on a, que celle qu'on a déjà eue. Oh my god, what the fuck? Ah non, non. Mon cœur peut pas prendre ça, for real. Je suis peut-être pas de l'air excité, mais je suis excité, for real. Je contiens ma. Allô? Excuse-moi? Allô? J'ai fait une tweet. Fois. Juste là, waouh! Une autre variante avec un autre dessin. Puis je pense actually que je préfère celle-là, sincèrement, que l'autre. Un plus belle, for real. Mais ça dépend comment tu la vois. Hein? Ça dépend comment on voit ces deux-là. Celle-là, on voit plus les détails sur les Pokémon. Parce que ceux-là sont vraiment de portrait. Mais de portrait de côté, ouais, c'est ça. Et ceux-là, actually, ils prennent un selfie ensemble. Mais, ouais, non, je préfère celle-là. Belle plus dynamique. Mais bon, hein, ces deux cartes qu'on a en pareil, hein, c'est les deux mêmes Pokémon. Je suis actually très content de l'avoir pogné, for real. Je vais te mettre dans ta petite pochette après la vidéo, hein, une fois que ma caméra va être morte. Of course, on va faire un récapitulatif. J'ai toujours de la misère avec cette chose-là. Ah, écoutez, aussi, commentez en dessous de la vidéo. Si vous voulez que je fasse des lives au fur et à mesure à propos de ça, comme ça vous pourriez me donner des petits challenges comme si vous me donnez comme genre 100 ou 50 piastres de bendé, un pack de Pokémon que je vais ouvrir. Que je vais clairement faire, c'est 50 piastres, de fait. Ok, Magmator. Je connais pas assez pour ça. Ça va passer. Puis, actually, ma caméra, elle tient vraiment le coup. Wow! Je m'attendais pas à ça, for real. Ça fait, je pense que ça fait comme peut-être comme 15 minutes qu'est comme ça.
C'est un flash en rouge. Oh fuck, je pense pas, j'espère pas que j'ai. Écoutez, regardez bien qu'est-ce qu'on va faire. Okay? Je veux rajouter un petit peu de piment à ma vidéo. Vous voyez ma carte que j'ai, live. Ma carte, mon couteau que j'ai. Je vais stabber ma dernière. Mon dernier pack que je vais ouvrir. C'est juste pour la chance, real. C'est juste pour la chance. Je sens que le dernier pack n'est pas bon. Donc, voilà. Zygarde, Thundurus, Cubone, ça. Et encore un Axorus, hein? Hein? Exactement, Holo Rare, je crois. Mais bon, je vais quand même dire Holo Rare, parce que je connais pas d'autres affaires. Je connais Holo, mais pas Holo Rare. Je sais que Holo Rare, ça existe. Je sais pas si c'est celle-là. Ben, je sais pas si c'est ce genre d'affaire-là, mais pour aller à la fin. Mais ouais, c'est ça. Mettez dans les commentaires des petits conseils que vous m'avez pour que je puisse devenir plus bon en ouverture de Capricorn. Prenez pas mon setup en main, hein, comme ça, quand c'est mon setup qui est vraiment, vraiment BS. Parce que j'ai pas vraiment comme ça, ben, il y aurait plus de chances que je puisse bien record ça. Non, je me comprends. Okay. Oubliez ça. Ok, Munchlax, Riolu, ça. Bon, notre premier trainer qui est en Holo Rare. Bon, c'est-tu excitant? Pas en tout, mais bon. Ça brille. Comme j'ai dit, si ça brille, c'est important. Oui, bravo. Alors, actually, oui. Quand ça brille, c'est important pour moi. C'est juste ça que je peux vous dire. Les autres cartes, là. Encore 10, sincèrement. Chandelier, je suis vraiment content de l'avoir payé en Holo Rare à cause que c'est un de mes Pokémon préférés de la génération Black and White, je pense que c'est ce qui est sorti. Ou si c'est pas Black and White, c'est XY. Peut-être que j'ai totalement faux, puis peut-être que c'est genre Sun and Moon aussi. Hein. Mais me semble c'est Black and White. Puis c'est vraiment mon Pokémon préféré de feu et de feu de cette génération-là. Même Tepig, je l'aime pas vraiment. Ok. Comme j'ai dit, c'est un paquet sur deux qu'on pogne de bonnes cartes. Non, de bonnes cartes, ça sont bonnes, mais ça brille. Fait qu'on bonne, tu sais. Donc, important, ça brille. Écoutez, je vais faire ça mon logo. Si ça brille, c'est important. Si ça brille pas, je peux même la couper au son colis. C'est le dernier pack, hein, oubliez pas. Je vais le stabber. Ok. Donc, il y a ça. 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 Oh! Giratina! En Holo Rare. Wow, ok. Ça, je suis down. Oh my god. C'est correct, je vais pouvoir enlever. Je vais pouvoir baisser ce son-là. Non, sur ça, je mets ma bouche beaucoup trop proche de mon micro. Puis là, vous allez entendre ça saturer à chaque fois que je crie ou des affaires même. Donc, je m'excuse d'avance. Wow! Imaginez. Je stab ça. Là, je peux pas faire du temps, je l'ai déjà dit. Donc, écoutez. Ça a même, écoutez, si vous voulez vraiment voir, ça a même traversé ici. Vous pouvez voir juste ici, ça a traversé. Donc, voilà. Il y a un trou, ça, je peux vous le garantir à 100%. Ah, ne faites pas ça, of course, tu sais. Moi, je devrais même pas faire ça, actually. J'ai tellement payé cher pour ces cartes-là. Mais c'est justement pour un petit peu plus de suspense. Est-ce que j'ai vraiment... J'ai pas l'air vraiment comme... Tu sais, c'est quand même... C'est pas... Je suis rendu addict, oui, mais j'en ai pas assez pour être vraiment excité. Comme vous pouvez voir là, ici, là. Wow, check ça. Wow, hein? Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Vous voyez la différence, la grosse différence ici. Là. Sincèrement, j'espère. Mais je pense pas. Parce que j'ai eu un Giratina à l'avant. Right? Oui, j'ai eu un Giratina. J'ai eu un Giratina justement l'autre. Fait que je pense pas qu'il va avoir rien. Mais. Bon, toi, on sait jamais. On sait jamais. Puis j'espère pas. Je l'ai dit. My god, j'ai oublié de faire mon récapitulatif avant d'aller à la fin de la vidéo. Ça, je veux éteindre ça au plus vite avant qu'il meure à 100% et je ne pourrais plus l'utiliser, peu importe que ça arrive.
Ah ouais, ça, je voulais. Je vais me le mettre tout de suite, là, dans un style avant qu'on le perd ou avant qu'on le stab, là, sans avoir pas exprès. Est-ce que ça va arriver? Peut-être, on sait jamais avec moi. OK. Donc, on va faire un petit récapitulatif de nos cartes que nous avons eues. Actually, je pense que je vais même décrocher ça. Je vais même décrocher ma caméra, juste pour que vous puissiez bien voir les cartes. All right. OK. Vous voyez ça, en gros. OK. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Opa. On a eu Giratina. En mode lévitation, je pense, non? En français. On a un trainer. On a eu Axorus. On a eu cette affaire-là. Je suis pas si content que ça. On a eu. Je l'ai Garkenchin. Garkachin. Comment? Vous avez encore un Opa. Encore un Axorus. Un trainer, un Rotom. On a eu le Giratina qui est avec Axorus, qui est très beau, que j'adore. Wow. For real. Nous avons. Raichu d'Alola. Nous avons Garchomp ici. Celle-là. Zygarde en chien. Celle-là que j'aime aussi beaucoup. Raichu et Raichu GX. Et un autre juste ici de Giratina et Garchomp. Donc les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si oui, vous pouvez commenter pour me dire quel autre genre de pack vous voudriez que je joue. C'était pas une longue vidéo, effectivement, mais je m'attendais pas que ce soit seulement 5 cartes. Quand je l'ai reçu et quand j'ai ouvert mon package qui était dedans la boîte, je m'attendais pas que ce soit aussi petit. Pour 170$, c'était beaucoup trop, je trouve. Mais bon, on a eu des bonnes cartes, c'est juste ce qu'il faut. On va juste enlever ça, le trépied. Si vous venez sur un trépied. Of course. Donc, c'est ça. Vous me dites si sincèrement vous voulez que je refasse des vidéos sur les cartes de Pokémon. Moi, ça me ferait un grand plaisir. J'aime ça faire ce genre de vidéos-là. À cause, ça prend pas beaucoup de concentration. Puis là, comme ça, je peux parler à la caméra. Je suis pas mal sûr, j'ai parlé pas mal tout le long de la caméra. À la caméra, à vous, en gros. Et puis. Je suis quand même content parce que habituellement je fais pas ça dans mes vidéos justement parce que les jeux vidéo pour moi vu que je suis pas bon ça me prend beaucoup beaucoup de concentration pour pas que je meure ou même surtout dans les nouvelles vidéos que je fais avec Speedrun et les jeux et juste les vidéos de Super Smash qui sont vraiment Super Smash moi je suis vraiment plus compétitif à ce jeu-là fait que c'est normal que genre je ne parle pas en même temps que en même temps que je joue, mais que je parle pas beaucoup en même temps que je joue, justement, parce que vu que je suis compétitif, c'est beaucoup plus dur pour moi de parler et de me concentrer pour gagner la partie. Et en speedrun, tu sais, j'apprends un speedrun justement, c'est pour ça que je parle pas beaucoup. Mais dans ces vidéos-là, tu peux prendre ça un petit peu plus relax, tu souviens des cas pour voir si tu as des affaires de bonnes et tu sais, des petites choses comme ça. Peut-être au montage, je vais peut-être vous mettre combien valent les grosses cartes que j'ai mis. Je ne vais pas les vendre, comme j'ai dit, je ne vais pas les vendre. Mais ce que je pourrais peut-être vous dire aussi, peut-être que je vais peut-être les donner. Écoutez, tant que je dis, si vous voulez que je fasse des. Si vous voulez que je fasse des ouvertures en live avec vous, dites-moi dans les commentaires, ça me ferait un grand plaisir. Et en même temps, on pourrait faire des genres de concepts comme j'ouvre des cartes pour vous, je tire, et puis finalement. Qu'est-ce qui arrive? C'est que je vous l'envoie, la carte. Que les bonnes cartes, tu sais, qu'il va y avoir dans les packs. Habituellement, c'est dans les anciens packs que j'ai ça. Je sais pas où me procurer ça, tout ça. Mais tout ce que je sais, c'est que. Tout ce que je sais, c'est que j'aimerais bien ça faire ça en live. Ça va aussi me donner plus de temps avec YouTube pour passer à de nouvelles. À de nouvelles options ou toutes des affaires comme ça. Pas des options vraiment, mais je sais pas vraiment comment décrire ça sincèrement. Mais bon,
J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Donc, si oui, vous pouvez lâcher un like. Vous pouvez partager la vidéo sur Facebook et Twitter. Et surtout, vous pouvez vous abonner pour rester au courant des vidéos. C'est gratuit, ça fait plaisir. Ça me soutient aussi. Et si vous aimez le concept et le contenu, ben allez-y, lâchez-vous. Et personne ne vous empêche de vous abonner ou personne ne vous empêche de ne pas vous abonner non plus. Commentez aussi des petits trucs que je pourrais avoir dans des prochains emballages, peut-être, au mois de mars, j'en attends beaucoup. Donc, commentez des petits trucs que je pourrais avoir. Commentez si vous voulez que je fasse des lives aussi, parce que j'ai une petite chaîne Twitch qui est quand même assez secrète, parce que j'en ai pas parlé, parce que je live pas beaucoup. Parce que je suis vraiment plus dans le niveau YouTube que Twitch, parce que Twitch, là, justement, vu que je commence Twitch, j'ai pas beaucoup de followers, mais justement, vu que j'ai pas beaucoup de followers, quand je fais mes lives, je suis là, je suis en train de jouer, je parle pas, vu qu'il y a personne qui me parle. Bon, je parle quand même dans le vide, à cause que je suis habitué avec YouTube, justement, juste de parler à une caméra, mais bon, vous m'écoutez aussi, donc... En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao là!